Bonjour à tous les amis de la Frentina, nous sommes à Oulon, dans le canton Vaud, entre Martigny et Aigle. Sur la Frentina, on est là avec Laurent et Elena pour présenter un projet qui s'appelle Peregrinus. Et voilà, on est là sur la route de la Frentina. À toi, Laurent, de nous informer sur le projet. Très bien, bonjour. Alors, le projet Peregrinus, c'est un projet d'architecture qui a été fait avec des étudiants pour lequel on a décidé de s'intéresser au sujet du pèlerinage et de refuge pour des pèlerins comme une alternative sur le long de la Via Francigena pour passer des nuits, enfin des endroits sur lesquels on peut se réfugier. Et donc, le projet, il est né d'une collaboration avec une organisation européenne d'étudiants qui avait cette année des workshops ici à Villars-sur-Ollon. Et donc, a eu lieu au début du mois d'août. Donc, on était Elena, Thibaut, Agathe et moi-même, on a encadré un groupe d'une vingtaine d'étudiants avec lesquels on a réfléchi sur le sujet de ces refuges, en lien avec la Via Francigena, en lien avec le tourisme durable, l'agrotourisme et un peu les réflexions locales de matériaux, de construction et d'hospitalité. Ok, merci. Alors avec Elena, on marche doucement vers le refuge. Et oui. Elena, à toi de nous présenter. Alors, je vais vous présenter donc cette structure qui est un des deux projets qu'on a développé. Et on en trouve une autre, bien sûr, à 50 mètres d'ici. Donc à la base, en fait, on est parti sur l'idée d'un abri minimal pour un pèlerin ou deux pèlerins. Et on a tout d'abord travaillé sur des structures assez simples qu'on pouvait monter et démonter facilement pour pouvoir aussi les stocker pendant l'hiver ou les déplacer. Et cette structure, en fait, elle permet de pouvoir s'adapter à différentes topographies. Donc elle permet de tourner sur elle-même. Et en fait, l'abri en lui-même est protégé par cette structure, est composé de feutres, et permet à deux pèlerins en fait de pouvoir dormir à l'intérieur. Donc les matériaux qu'on a utilisés pour les deux structures, vous verrez aussi l'autre, c'est le bois brûlé pour protéger l'extérieur de la structure et le feutre pour ce qui est vraiment de l'abri principal pour le pèlerin. Ok, c'est parfait. Bah alors, tous les amis pèlerins, vous êtes les bienvenus ici à Oulon. On vous attend pour découvrir les deux refuges sur la Frentina.